C'est où? C'est à cette heure-ci que t'arrives? Tu te crois au Club Med ici? 10h du matin? Bah ouais, je sais, mais ce matin, il y a ma petite soeur qui était malade. Il a fallu que je l'emmène chez le médecin. Le temps que je la ramène, ça m'a pris une heure. Alors tes histoires, tu vas les raconter à d'autres, hein? Et puis tu vas t'habiller, Fissa. Il y a des moteurs qui attendent ici. Allez, allez! Ma petite sœur. Je t'en foutrais, moi, des petites sœurs. Toujours malade. Putain. Le boogie-boogie-boogie-boogie-man. Je suis le boogie-man. Le boogie-boogie-man. Le boogie-boogie-boogie-boogie-man. Ils ont tous des petites sœurs. Boogie-boogie-boogie-man. Le boogie-boogie-man. Le boogie-man. Il y aura ce soir l'équipe type qui avait remporté le match amical. Mais c'est pas trop tôt. Putain, trop mortel les nouvelles pommes du boss. J'avais bien dit qu'il fallait le prendre, non? En tout cas, ce soir, moi. Fini, pas fini, je rate pas le match. Avec ce qu'on va leur mettre, on n'est pas prêt de les voir en finale, je te le dis. Mais alors? Tu peux pas mettre un t-shirt sous ta combinaison, non? Il fait trop chaud, monsieur. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait quand même moins chaud que dans ton pays. Hein. Puis chez vous, 30 degrés, c'est quasiment l'hiver. Je me suis acclimaté. Ah bon? Eh ben viens, tu vas t'acclimater au moteur de la golf là-bas. Hein? On va t'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'elle a? Regarde-moi ça. Une vraie fillette. Elle pisse de l'huile que ça en est indécent. Ça, je parie que c'est le client qui a voulu faire sa vidange lui-même. Voilà le résultat. Les voitures, c'est comme les bonnes femmes. Faut de l'expérience. Sinon, elles tiennent pas la route. Et je m'en suis tapé autant que des vidanges, alors. Je connais la chanson. Quand t'en veux une, c'est pas plus compliqué que ça. Tu soulèves le capot. Tu fais glisser tes mains dessous, là. T'appuies sur le bouton et tu tires. Et là, normalement, ça vient tout seul. Enfin, ça dépend pour qui, quoi. Je vois rien, là. Mais c'est normal, tu dors debout. Tu dois pas en attraper souvent des greluches, toi. Hein? Parce qu'à la vitesse où tu percutes, elles sont déjà sur la ligne d'arrivée et que tu cherches encore la pédale d'embrayage. Allez, passe-moi la clé à vidange. Ouais, mais maintenant, elles ont des boîtes automatiques, hein? C'est plus facile. Et ça, vous avez toujours raison, vous, les jeunes. En plus qu'avec les bonnes femmes, comme avec les moteurs, t'es pas prêt de m'en apprendre. Bonjour. Je suis tombée en panne. J'ai réussi à me garer un peu plus loin dans la rue. Vous pouvez me dépanner? Va acheter un œil sur le cache-culbuteur de la Mercedes. Et vas-y, je te dis. Et c'est quoi comme marque, votre voiture? Une BM. Décapotable. Ah. BM, c'est robuste. Mais quand ça casse, ça fait des frais. Hein. Bon. On va aller voir ça. Excusez-moi une minute. Serre bien le boulon, là. Ouais, ouais. Et bloque l'écrou avec la clé plate. Ouais. Voilà, c'est bien. Puis après, tu me changes les bougies, hein. Et tu vérifies les plaquettes de frein. Ouais. Puis mets-lui aussi un bon coup de lubrifiant. Hein? Ouais, ouais, ça peut pas lui faire de mal. D'accord. Bon. Excuse-moi pour ce matin, j'étais un peu secoué, mais bon. Ah, je comprends. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, quoi, et puis. Bah, bien sûr. Puis ce soir, je veux pas rater la dérouillée qu'on va vous mettre en finale. Mmh. Bon, allez. Ça va être pas long. D'accord. Alors, c'est quoi les symptômes? Les symptômes? Ben oui, elle tousse, elle crache, elle fume.
Ah, elle fume. Ah, vous inquiétez pas. Hein. Les voitures, quand elles passent entre les mains, après elles ronronnent. Pas de problème. Belle journée, hein. Des journées pareilles, ça me rend dingue.